entre les deux anciens amis, la guerre est désormais déclarée et continue de faire rage. Auparavant complices à l'antenne. Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon ne se supportent plus. Et ce n'est pas la première fois que les deux amoureux des objets anciens s'écharpent par réseaux sociaux interposés. En effet, celui qui a été accusé d'avoir organisé des dîners clandestins en plein confinement en veut terriblement à son ancienne amie. Toujours présente dans l'émission Affaires conclues de Sophie Davant. La raison ? La belle blonde n'aurait plus donné de nouvelles après le départ de Pierre-Jean Chalençon de France 2. J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes, allant même jusqu'à me traiter de SE ou de PE. Il inonde même mon amoureux de messages. Tous les jours en lui disant qu'il nous aime tous les deux et qu'il veut venir passer des vacances avec nous. Tout cela nous ferait bien sûr. Point ce type de comportement me donne vraiment envie de vomir, avait-elle confié, bouleversée. Depuis, entre elle et Pierre-Jean Chalençon, le torchon brûle. Ce samedi 2 septembre. C'est une nouvelle critique acerbe que l'ami du restaurateur Christophe Leroy a publiée sur Twitter. Alors qu'un internaute commentait le passage de l'acheteuse dans l'épisode d'Affaires conclues. Pierre-Jean Chalençon s'est permis de la critiquer ouvertement, nouveau dans Affaires conclues quelques nouveaux néons et LED sur les cadres et les murs. Une acheteuse usée par le temps. Hélas, ça ne suffira pas pour refaire briller l'émission. A écrit le Twietto, soulignant qu'il manquait le phare de l'émission à savoir. Pierre-Jean Chalençon. Des critiques qui n'ont pas manqué d'être relayées et commentées par l'ancien acheteur, effectivement. Mon Dieu, elle a vraiment ramassé. A commenté le fan de Napoléon. Un message tout en finesse qui fera plaisir à la principale intéressée.